Qu'est-ce qu'on fait alors? Il n'est pas minuit, on va continuer, on va pas s'arrêter là. Alors, j'ai 935 gold, je peux recréer une arène, ou alors je peux jouer l'arène prêtre où j'étais 3-0. Qui est sur... sur Asie, je crois. Il me semble. Une playlist à partager. Une playlist de quoi? De musique, tu veux dire? Ah, Raptor veut sa revanche. Ah, Raptor veut sa revanche. Ah, ah, ah. On va enlever le score. Hop. Ok, revanche, revanche, revanche. Je vais pas jouer mon deck MNM s'il a, il aurait pu le voir. Ah ouais, jouer un petit Swablin. Playlist. La playlist que je joue là? La playlist que je joue là, c'est... C'est dommage parce que le Nightbot me permet pas de faire des commandes, mais... Où est-ce qu'elle est ma commande? Je vais vous mettre le texte, hein, parce que... C'est ça que j'écoute. Allez, bonne nuit, Sicord. Merci d'être passé. C'est pas terrible, ça. J'avais prévu une musique de boss, mais bon. Ça fait un peu musique de boss. On va baisser un peu le son quand même. Voilà. Oh la violence! Oh la violence! Qu'est-ce que c'est que cette violence? Tour 4. Tant pis, on va le couper un peu. Zéro respect. Zéro respect. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Hein? Pourquoi? Ah merde, ça a pas comboté. Ah merde, bon c'est pas grave, j'ai l'éventail. Bon, j'ai rien derrière. Alors, est-ce qu'il trade ou est-ce qu'il trade pas? S'il trade, on pourra jouer le forgeron, je pense. Il trade. Non, il trade pas. D'accord. Zéro respect. Zéro respect. Suivant pour 6, on peut mettre le poison. Plus Gix. Encore le Getter, il met dans tous ses decks. C'est fou ça. Ça
Ça pourrait être un anti-sort. Bon, on va bien voir. Non, c'est pas un anti-sort. Donc c'est probablement un copier. Je pense qu'on va faire ça. Restez un instant et écoutez-moi. Non plus. Ok, très bien. C'est glissant. Vapo! Ah mais qui joue Vapo quoi? Ouais c'est pas grave, elle a fait le boulot franchement cette carte. Mais c'est quoi ce deck? Sans déconner. Je sais pas ce que c'est que ce deck. Il fait plutôt. Allons-y à ma volonté. Levez les boucliers. Ma magie va vous mettre en pièce. Enfoncez-vous dans les ombres. Bon, j'ai sans doute perdu. Ah, les guetteurs, ils font mal, c'est vrai. Ils font mal. Moi, je prie pour qu'il n'y ait pas un Flame Strike. J'avais pas d'autre chose à faire. Bien joué. Ça pourrait être un dupliqué. Ça pourrait. D'accord, c'est pas le pire. Je m'attendais à pire. Ouais, je pense qu'il a la boule de feu. Il a la boule de feu, probablement. Ah ouais. Ah, je m'attendais pas. Belle revanche, belle revanche. Bien joué. Belle revanche. Un peu bizarre comme deck, mais belle revanche. Bon allez, on va sur une petite arène. Oh, paladin, chasseur, voleur. Est-ce qu'on prend notre revanche avec voleur ou avec paladin? Je ne sais pas. En tout cas, il surprend ton deck. Paladin, ça va être un peu ennuyeux quand même. Alors, on va sortir voleur. Oh. Ouais, mais c'est trop aléatoire. Un jongleur quand même.
Alors l'huile, c'est pas super super en arène, mais en même temps trahison, c'est moyen, donc chevaucheur ou mécano. Bon, plutôt chevaucheur, d'habitude le voleur a de quoi cligner. C'est un mage secret. Un mage secret Vapo, c'est un peu bizarre, mais ok. Ça, c'est une bonne carte. Mecha ou chevalier de la mort. Chevalier de la mort est pas si mal en voleur, parce que voleur, on n'a pas tant que ça de boost. L'infiltrateur est pas mal, mais on a déjà le bucanier. Le mecha est correct. Bon, je prends le mecha. Il n'y avait pas de vapeau. Bah si, t'as joué une vapeau, hein. Ma créature s'est fait tuer parce que t'as mis une vapeau. T'as peut-être pas fait gaffe, mais t'avais une vapeau dans ton deck, je te garantis. Encore un tour 2 ou un premier tour 3? J'ai pas de tour 3, donc... Robot barbier, c'est pas mal, hein. Mais... J'ai 2 tours 2, 3 tours 2. On va prendre ça, là. Pouh, non, hein. Heureusement que j'ai pris un tour 3. Ah, Sensei, c'est trop aléatoire. Contrôleur mental, c'est correct. Mystique, sans plus, quoi. Bah, contrôleur mental. Elle est sortie, c'est tout. T'as zéro explication. Oui. Allez, on prend un petit Drake, là. Rien d'exceptionnel, on prend le garde. Alors, rien d'exceptionnel encore. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le démolisseur à chaque arène en ce moment, c'est un peu... Mais je peux pas avoir une grosse carte. Ah là 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 là. Boucanier, ça fait trop quoi, 2 fois 2, 1. Dragon féerique, c'est pas mal. 1, mecha, 2, mecha. Ouais, dragon féerique. Légendaire OP, ouais, il me la faudrait. Hein. Bah, je prends le poison. Encore une huile, non. Mais non, pas d'huile, quoi. J'aurais pas le board, une huile. On va prendre le sergent grossier. Ah, un Yeti! Ah! Ouais, une lame d'assassin. Je savais que t'as un deck aggro, quoi. Parce que ça vaut le coup de jouer un assommé. C'est un deck aggro, mais il me faut de la pioche et j'en ai pas, quoi. Je crois que je vais prendre l'assommé. Hein. Chevalier ou tigre. On est presque à la moitié. Qu'est-ce qu'on a? On a plus de la moitié. On a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tour 2. 1, 2, 3, tour 3. Le tic, c'est quand même pas mal en voleur pour finir, quoi. Mais celui-là aussi, pour finir une créature. Moi, je vais prendre ça. Pirate, ouais, j'ai pas beaucoup de pirates, t'es gentil. Jeeves, Jeeves pourrait me servir de pioche. Blague à part. Larcin, c'est trop lent, j'ai pas un deck pour jouer un deck là, un larcin, quoi, c'est... Marchand, ça fait quand même un 4-3. Hein. Ah. J'hésite. J'hésite. Est-ce que j'ai un seul pirate? J'en ai un. Deux. Ouais, deux pirates. Bon, allez, on tente le marchand. En plus, je prends peut-être un risque. Robot, ça va servir à rien. Champion. Un deuxième poison? Ouais, un deuxième poison. L'élémentaire, ça peut être pas mal. Ça peut me faire gagner du temps. Ou alors encore un pirate. On va se faire un deck pirate en arène. Ah, ce serait excellent quand même, un deck pirate en arène. Bah, j'ai trop de tour 2 quand même, c'est la folie quoi.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai que 6. Attends. Ouais, ça, c'est pas vraiment un tour 2. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ouais, deck pirate, hein, on est obligé. Hein. On est obligé. Est-ce que le soin peut servir à quelque chose? Je pense pas. Le taunt, bof. Ah. Comme je spam le board, le chef de guerre peut être pas mal. L'écraseur aussi pour finir. On va prendre un écraseur, on n'a pas de tour 6. Fasciné, c'est descendre. Maître du culte, c'est bien quand même là, je pense. Voilà, maître du culte. Archimage. J'ai pas de sort. Ça sert à rien quoi. À la limite du soin, le temps de pouvoir finir à l'aggro. Par contre, une petite provoque. J'aime bien en avoir une ou deux quoi. Une provoque pour ralentir. Parce que l'éventail, j'ai rien pour comboter avec en fait. J'ai quoi comme combo? J'ai quasiment rien en combo en fait. En combo du voleur. J'ai rien. Non, j'ai rien. Donc j'aime pas. Prends la rampante. Le rampant. Eviscérate. Ouais. On peut pas passer à côté d'un Eviscérate. Embusqué. Alors, t'agresses le mec, tu lui mets les embusqués. Alors, normalement c'est golem, mais bon. Quoique j'ai un petit peu de voleur, j'ai un petit peu de méca, ouais, allez, golem. Étrange. Je vais même pas prendre de photos parce qu'il est trop gros ce... Très très étrange comme deck. Un aggro quoi. Un aggro. Bah, allez, on y tente, on tente. Je le sens pas, hein. Je le sens pas. Ah, tu voulais que je prenne quoi? Tu voulais que je prenne autre chose? Pourquoi c'est tout petit comme ça? C'est trop petit ça. Attends. Ça va pas ça. Voilà. Vous l'avez cherché. On va se mettre symétrique, tant qu'à faire. L'embusqué. L'embusqué, oh. J'ai même pas fait. Je me rappelle même plus ce que c'est l'embusqué, franchement. J'ai pas fait gaffe. Je vais garder les 2-3-3. L'embusqué, attends, tu me fais douter. C'est quoi déjà ce truc là? On va aller voir sur internet. Embusqué. Embusqué. Hearthstone. Embusqué. Ah oui, oui, ah bah si je suis bête. Oui, ouais. Ouais, je sais. Je sais. J'aurais dû. Est-ce que je joue à Heroes of the Storm? Ouais, je joue un peu. Là, je me suis acheté récemment Jaina. J'ai participé au dernier tournoi d'Archaïque Crispa ce soir, me suis du mois dernier. On s'est fait rétamer. On s'est fait méchamment rétamer. Je suis franchement très mauvais, enfin. Je suis moyen mauvais, on va dire. On va dire c'est comme ça. Ouais, je pense qu'on lui tue. Alors, est-ce qu'on met un régent ou est-ce qu'on met simplement un démolisseur? Démolisseur, en fait, il aurait comboté avec le sergent grossier, mais lui tout seul, le démolisseur, je le sens pas particulièrement. Je vais plutôt mettre un régent du coup. Ouais, on va plutôt faire ça. Venez vous battre, Vermine.
Je suis tombé sur le numéro 1 EUW. Je sais pas pourquoi tu dis ça. En tournoi ? Oh non, non. Non, en tournoi, c'est juste que. Bon, on est tombé sur une équipe qui joue ensemble. Ça se trouve, ils étaient en vocal et pas nous, quoi. Donc. On s'est fait rétamer, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je peux même pas utiliser mon pouvoir, il est chiant lui. Il est chiant. Subissez mon coup, Gloria. Butez-le. Démolisseur pouvoir, sont probablement. Ou l'arme. L'arme, c'est mieux. Beaucoup mieux, l'arme. Ah, au tour 7, Flame Strike. Qu'est-ce qu'on va jouer contre le tour 7? Bah, du coup, on va jouer le golem, hein, je pense. Oh. Oh, c'est con, je peux pas la comboter quoi. Ah, oh, c'est vraiment con. Soyez purifiés. C'est vrai que là. On est d'accord que j'ai un deck aggro et je le joue contrôle. Très malin de ma part. Hein. Le Flamestrike est pas obligatoire. Attends, Flamestrike c'est. Pff, 2 matchs sur 3 qu'il y en a. C'est hallucinant. Hein. C'est une carte commune en fait, elle vient très facilement. De toute façon, même si c'est boule de feu, la 6-4 est nécessaire donc. Bah, j'ai pas de pirate sur le terrain, c'est dommage. Ce qu'on peut faire, c'est comboter. Où est-ce que j'attends pour comboter? Je serais peut-être bien d'attendre pour comboter en fait. Je vais attendre. On va déjà voir ce que c'est. Là franchement le... Là ce qu'il vient de faire là, typiquement ça veut dire vas-y tape dedans comme ça t'as une créature à 5 de vie et moi je te balance un flame strike. Hein. Oh mais... Non mais sans déconner quoi. Je suis désolé mais c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse d'aller me piquer celle-là. Je peux même pas jouer en combo. Comment je peux jouer en combo? J'ai rien pour jouer en combo. C'est pourri ça. Je me demande. Vous voulez faire affaire? Ok. Allez, je vais me décider. Non là franchement là c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse d'avoir cette chance là. En plus ça tombe sur la créature qui vient d'arriver mon boost. Voilà. Écœuré. C'est gros comme une maison, je suis sûr, mais sûr à 100% qu'il a Flamestrike. Hein. On va me dire, ouais, mais non, n'importe quoi.
Il a rien joué. Non, mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ouais, franchement. Mais le problème, c'est que je peux plus être aggro, quoi, maintenant. 14 PV, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas jouer aggro. Regarde-moi ça, putain. Désolé pour le langage, pardon. C'est paumé, quoi. Neuf. Non, je peux pas gagner non plus. Bon bah GG à lui quoi. Paranoïa, bah oui, mais attends, t'as vu le nombre de cartes qu'il a en main? De toute façon, c'est soit anti-flame strike, soit anti-contrôleur mental. Et il va jouer un contrôleur mental. Je suis obligé. Donc Ah putain, mais ouais, d'accord. Bon, lui, on va pas lui dire bien joué. Hein. Franchement. J'ai pas dû jouer assez agressif. C'est galère de jouer agressif contre un mage. Je sais plus ce qu'il m'a joué au départ, qui m'a complètement bloqué. Qu'est-ce qu'il m'a joué? Ah, j'ai oublié. Oh, je sais pas, j'ai pas bien joué, mais... J'ai pas eu de pioche non plus. J'ai pas eu de pioche du tout. Bon, on va tout renvoyer. D'accord, d'accord. Ah, merci d'être passé en tout cas, Yann. À 90%, t'étais mon seul spectateur. C'est pas grave, je m'amuse. Regarde-moi ça, j'ai un deck super early. Y'a rien en main, quoi. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Ça va te faire un petit 0-3, je pense. Non, mais sans blague. Sans blague, c'est quoi ça? La seule fois où j'ai pas d'early, le mec il fait pièce 3-4. Je suis écœuré. Allons-y. Ah, franchement. Non, mais... Moi je devrais déjà abandonner, enfin bon. Voilà. Le mousse était trop fragile, ça sert à rien que je joue, je pense. Vous avez apporté du poisson ? Je peux pleurer là? Non mais sans déconner. C'est quoi la chance de... des gens ce soir? J'y crois pas quoi. J'y crois pas que les mecs ont autant de bol.
Tempête? Non. Non mais personne n'a tempête! Personne n'a tempête en arène! Et le mec il a tempête plus le totem! Mais il a pas pu... Attends, je suis pas 0-0, je suis à 0-1. Pourquoi j'ai mis 0-0? Pardon. C'est pas possible, le mec il a pas perdu un match avec ça. C'est pas possible. Tu peux pas perdre avec ça. J'ai perdu là de toute façon, non? Tac tac tac. Pratiquement. Pas à 100%, mais... Pratiquement. Ouais, ça sert à rien, je continue. Non mais franchement là, j'ai jamais vu un deck chaman sortir aussi bien en arène. J'ai vu des decks sortir comme n'importe quoi. Mais comme ça, je crois pas. Un deck chaman, je crois pas. Quoique avec la... Avec la 3-2 qui a Fury des Vents, peut-être. Enfin, franchement, mon deck aggro qui sort deux fois pourri en early. Il y a un prêtre en plus, je déteste les prêtres. Bon bah. En fait, je suis puni. Ouais, je suis puni. J'ai envie de l'acheter, mais en fait, comme c'est contre prêtre, je vais la garder. Mmh. Ok. Pièce choix de Vélène? Qu'on rigole? Non, quand même pas. Ça va. Ça va, ça va. Enfin, le deck pirate va pouvoir sortir. Pas de panique, mon chou, la carie est arrivée. Ça se joue pas tout de suite parce que, déjà, de toute façon, 5 d'attaque, c'est pas forcément un bon plan. En plus, sortir un Yeti, ça fait mal quand même. Oh, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Alors j'ai plein de choix là. Je peux jouer le maître du culte et piocher. Je peux jouer une 5-4. Une 5-4 contre une 4-8. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. Je peux jouer un régent. Je peux même jouer un taunt. En fait, je vais la jouer agressif, je joue un taunt. Après tout, je crois que c'est la seule chance que j'ai de gagner. Surtout contre un prêtre. Bon, il peut me sortir une Olinova, je suis bien, mais bon. Les damnés se tiennent prêts. Alors, faut 7. Faut 7 pour le tuer. Bon, je pense qu'on va le faire comme ça. Hein. Bon, il va me sortir une Olinova, c'est gros comme une maison. Ça reste quand même le, je pense, le mieux à jouer, en espérant qu'il l'ait pas. Passez-moi cette clé-plate. Il l'a pas.
Je pense qu'on va les piocher déjà. Bien joué. Heureuse de vous rencontrer. Il y a toi et Monsieur Murphy. Travail terminé. J'adore les pillages. Ah, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Au rapport. Allons-y. Purifié. 17-18, et c'est moi qui agresse. Pas chercher à comprendre. Je suis libéré de la malédiction. Et si on leur mettait des bâtons dans les roues? Alors, on a 6, on a 9. Ouais, je pense qu'on n'est pas assez pour agresser. Ça m'énerve, je suis à chaque fois à un point, quoi. 5. C'est frustrant. Tellement d'options. Tellement frustrant. Allons-y. Au combat. Soyez purifié. Démarrage. Le portail connecté. J'ai envie de garder la surprise de l'arme. Peut-être pas une super idée, mais bon. J'ai envie qu'ils s'attendent pas à ce que je mette l'arme. Ouais, il va gagner, c'est sûr. Oh, coup de chance. Est-ce que la chance aurait tourné? On a combien de bords là? 5, 5 et 6, 11, 11, 12. S'il ne soigne pas, on a gagné. Ouais, il va forcément soigner. Je pense que ça se tente. Mettez cette pomme sur votre tête. Dislocateur mental DC-130 enclenché. Ha ha ha, ça c'est du couteau talentueux. Allez, on y va au talent. On y va au talent, je vous le dis. Lightbomb? Non, il aurait tapé. Ah, il se suicide, d'accord. Un joli suicide. Un joli suicide. Bon, on a sauvé l'honneur. Là, j'ai des beaux suicides contre moi, des fois, quand même. Ouais, c'est vrai que le cut... Ouais, j'y ai pensé, hein, j'ai failli le dire. Il s'est plaint, mais en fait, si le couteau tombait sur lui, c'était pas mieux.
Donc au final, pas trop à se plaindre. Ah, merci pour le GG. Bah, ça fait du bien de pas faire 0-3 quand même. Hein. C'est violent 0-3. Hein. C'est violent. Minuit 12. Un chasseur. Le régent, pour moi, c'est trop tôt en fait. Il est bien au tour 5 presque. Oh non, mais non, pourquoi j'ai fait ça? Non. Allez, ciao Ryan. Ciao, bonne nuit. Merci d'être passé en tout cas. Ah, si tu reviens, ça me ferait très très plaisir. Franchement. Toujours un plaisir de te voir. Même si t'as pas fait une seule blague pourrie. C'est un peu mon métier maintenant, mais... Ah, oh, c'est dégueulasse ce qu'il nous fait, lui. C'est dégueulasse. On va faire ça. Activation. Alors, vu comment c'est parti, on va réussir à finir l'arène dans le live. Agression, agression. J'agresse, j'agresse. Moi aussi j'agresse. Pas de raison. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui agressent? Drogue pas stupide. Ok. Poison mortel, ouais, mais est-ce que c'est utile là? Je pense pas. Je vais plutôt faire ça. J'aurais pu taper, j'ai hésité. J'ai hésité. Tigre. Ça pourrait avoir le coup que je joue l'écraseur quand même, même s'il est pas... Attends... 3 et 2, 5... Et 3, 8... 8, il tombe à 16... Oh, 15... Alors c'est 15 ou moins? Oh. On va le faire, je pense. Hein. Je pense que ça se tente. S'il n'a pas de chasseur de grand gibier, je peux m'en sortir. Est-ce que je tente? Allons-y. Silence. Ok, donc c'est peut-être juste un piège explosif. Ok. Ça me va. Bien combattu. Bien combattu aussi. 3, on a gagné nos 3 matchs avec un voleur. J'avais même pas fait gaffe que j'avais une quête voleur, donc c'était une bonne idée de... C'était une très bonne idée. Un petit de 2. Alors on est en solitaire, hein. Il n'y a plus de viewers, il n'y a plus que moi, mais c'est pas grave, on continue. On continue. Coucou YouTube, si vous avez tenu 2h20. Si j'arrivais à le mettre sur YouTube aussi. Parce que là, franchement, 2h20, je vais
Je dois pas l'éditer, hein, je pense pas. Soyez sur vos gardes. Ce serait un peu hard. Ça peut avoir le coup de jouer le maître du culte, hein, ou pas. Je vais tout garder. On joue contre un druide. Mmh. J'espère que vous aimez mon invention. Ingénieur novice. J'hésite. J'ai plusieurs choix. Je pense que je vais lui donner en pâture. De toute façon, ça l'oblige à faire son pouvoir. Il a quoi pour jouer à 1 là? Il n'y a rien. Donc je pense que ça se tente. Il le fait, ça me va. Ça peut presque avoir le coup de jouer un Yeti maintenant. Alors je joue juste un silencieux. Plus un Yeti. Ouais. Ça, si ça l'oblige à jouer un sort, c'est pas plus mal non plus. On va faire ça. Je crois que 2 d'attaque sont un peu légers contre un druide. On peut flooder le board. Je pense qu'on va le faire. Ça va être rigolo. Même si c'est pas opti. Au rapport. Au rapport. Soyez purifiés. Bah avec un balayage, j'élimine tout. Hein, mais bon. Il l'a pas. Ouais, le sergent, mais là il est pas très très utile, le sergent. J'ai 2 choix, je peux respammer. Aussi, je peux lui laisser la 3-2. La 3-2, il voudra éliminer la 4-2, je pense. Ou alors, je mets carrément un. Je mets un Yeti. Hein. Ouais, on va mettre un Yeti. Donnez-vous battre, Berwin ! Au combat ! Je pense que ça va être de mettre un Yeti. J'ai hésité parce que c'est vrai que le sergent peut servir à éliminer des grosses créatures druides. Mais bon, plus la partie dure, moins j'ai de chance de gagner contre un druide. Pour le roi. Bah, je pense qu'on va poser une carte et faire un pouvoir héroïque. Hein. Ou alors je mets 2. Je pense que j'en mets 2. On va prendre le board un peu.
moi il peut pas m'éliminer complètement le board. Couleur à 1 ou couleur à 3? Couleur à 3. Ok. Poison, ça c'est pas mal. Bon, on va espérer qu'il a pas un chevalier de sang, hein. La violence que ce serait. Ah, monsieur. Monsieur Jabol, qui faites-vous? Je me demande. Le temps n'attend personne. Balayage. D'accord. Ok. Pas bien engagé. Ça manque de punch. Je voyais pas comment utiliser le maître du cul. Ok. J'ai de la chance en plus. J'ai de la chance. Joignez-vous à nous pour mourir. Souvenez-vous de quel talent. Oh, j'avais pas le létal, hein. On est bien d'accord. J'avais pas le létal. Ok. Lame d'assassin. Lame d'assassin, huile, poison. Ouf, ouais, j'ai de la chance là. J'ai de la chance. Est-ce que ça suffit? Je pense que ça suffit. Lame. Boum. Je vous concède ma vie. C'est bien sorti. Bah, ouais, clairement. Il m'a pas mis un seul taunt pour un druide, c'est quand même exceptionnel. Oh, bon, on est positif. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru avec ce début? Je vais peut-être vous faire la... Je vais peut-être vous la couper en deux quand même. Hein. 2h29. Waouh. Ça fait long quand même. Bonne musique là. Attendez. Valyra contre Jaina. C'est plus intéressant pour moi cette musique. Ah, ça c'est dommage. Pirate.
Tour 3 éventuellement. Tour 3 c'est pas si mal. Manque de créa quand même. Je vais pas jouer juste pour l'occuper, ce serait quand même un peu... Il n'y avait rien à jouer donc... Ça aurait pas été une bonne idée je pense. Étonnant. Pourquoi il fait ça? Je pourrais jouer un Yeti, mais en fait c'est peut-être le meilleur moment pour jouer le démolisseur. Donc. Là pour le démolisseur. J'aurais presque pu jouer le boucanier pour l'obliger à pinguer. Ouais. J'aurais peut-être dû. Non, finalement non. Peut-être pas. il ping pas, il ping. Il ping pas la 2, hein. Il a vraiment peur du démolisseur. Hein. Bon, écoute. Si t'as peur. Moi j'agresse. Tour suivant. Brocanteur, pouvoir, poison mortel. À quoi il joue, je comprends pas en fait. D'accord. Oh. On pourrait tenter le jongleur. Ouais, jongleur, boucanier. On peut tenter. Est-ce qu'on met la pièce? Je pense pas. Pas de flame strike. On va aller à l'agression. Hein. Violence. Ça c'était violent quand même. Je sais pas ce qu'il faisait l'autre, je pense qu'il attendait un flame strike ou... Pas trop compris mais c'était violent comme partie. 4-2 c'est honorable. Hein. C'est honorable, on va rebaisser un petit peu le son. J'arrive pas... Je peux pas monter de 1, justement. Bon. Bah allez, un petit 5-2, je serais plutôt content. Un 4-3, bon bah... C'est pas un deck exceptionnel, quoi. Donc... Ah, j'ai deux bonnes sorties. 2-3 bonnes sorties, j'ai 4 victoires. J'ai 2 mauvaises sorties, j'ai 2 défaites. C'est clairement un deck qui peut pas rattraper. Sans déluge de l'âme, sans taunt. Pour marteau du destin. Soyez.
C'est pas mal d'avoir le choix. Ça par contre c'est pas top top. Je le garde. J'ai pas beaucoup de tour 4 en fait. Peut-être le garder. Je pense qu'on peut jouer agressif par contre cette fois. C'est sûr, alors, je pouvais pas prévoir ça. Oh. J'espère qu'il a pas de mec. On va prier. Sorti quand même. Hein. Le monsieur il a deux défaites. Faut qu'on m'explique comment. Oh sans déconner quoi. Sans déconner. Comment il a fait pour. Oui bon c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je dise avec ça. Je peux rien faire. Est-ce que ça change quelque chose de faire ça? Je pense pas. Heureuse de vous rencontrer. Au rapport. Allons-y. Carrément. Une bonne sortie. Je l'ai déjà dit. Ouais, je crois que je l'ai déjà dit. Bon, on prie, hein. Dislocateur mental TC-130 enclenché. C'est mérité. On n'est pas mort, on n'est pas mort. On va prier, hein. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Ça va être chaud. Ça a du burst, le chaman, quand même. Ah. Chaud, 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 les mains en chaud. Hmm.
J'hésite. Agression. Je peux pas contrôler en fait. Contrôler la 6-4 va me coûter trop cher. On va espérer qu'il a pas un sort pour éliminer la 5-3. Malheureusement si. C'est bien sorti pour lui quand même. Hein. Je peux pas le dire. Ouah la chance. Ouah. Ouais, je le tente hein, on est bien d'accord. Hein. 5-2. Ouais. Tant que je gagne, je joue, comme dirait l'autre. Prêtre. Chevalier est bien, mais si j'ai pas de tour 2. Non, je vais chercher un tour 2, tant pis. Ou un tour 1. Beaucoup de chance quand même sur la deuxième partie. Hein. Le vol du A5-4. Beaucoup de chance. Enfin, ceci dit, il a vu une bonne sortie. Il doit être un peu écœuré d'avoir perdu quand même, monsieur. El Topo XXX, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense qu'il est parti boire un coup. Bah, je vais faire pareil, je vais m'hydrater. Un peu la musique aussi parce que là franchement c'était un peu fort peut-être pour vous. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la musique, si vous pensez que c'est intéressant, inutile, pour me le dire. Bon, on n'a pas de tour 3 exceptionnel. Oh. Ça peut être violent ça. J'ai rien qui me permet de garder un board, c'est ça qui m'embête. Je peux l'éliminer facilement, mais voilà quoi, est-ce qu'il y a un intérêt? Ou est-ce qu'il bluffe Martoni? C'est ça la question. C'est la question. Tour suivant peut-être. Sans doute pas au petit, mais l'idée c'était de garder une créature sur le board quand même. Ah, j'ai peut-être exagéré le prix.
Des viscérites, ça fait mal quand même. Les damnés se tiennent prêts. Quelqu'un est blessé. Question, c'est est-ce que je pose un Yeti ou pas? Je pense pas. Tant pis. Venez-vous battre, Berwin! Locateur mental, c'est en train de s'enclencher. Je commence à avoir peu de cartes dans ma main. C'est pas bon. Je suis censé agresser, quoi. C'est pas bon du tout. Il a rien à jouer. Ah, par contre, ça me va. Même s'il fait une Holy Nova, là, Nova Sacrée, je suis pas mal. Hein. Ouais, typiquement, je vais l'assommer, le monsieur. D'accord, j'aurais pu garder l'huile, c'est vrai. Je me suis emballé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il va se soigner, je pense. Ok, monsieur est un peu coucou dans... un petit peu coucou quand même. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux jouer le maître du culte ou le Drake? Le Drake, logiquement. Plutôt jouer le Drake. Subissez mon courroux. Allons-y. J'ai plus de burst, ça va être chaud. Pas chaud. Panique, mon chou, la cavalerie est arrivée. Ah, c'est une combo intéressante. C'est intéressant. Lune d'argent ne tombera pas. Joyeux à nous. Je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai pas bien joué. Tout ça parce que j'ai mis lui là comme un imbécile. Ouais, il a des bonnes cartes le monsieur quand même. Prêt, chef. Tac, il peut éliminer les deux. Peut-être pas les trois. Souvenez-vous de quel on va tenter. Ah, oh, je suis bête, il peut mettre le Belcher. Oh, oui. C'est vrai. Crash-Vas. Ah là là, ouais, j'ai pas bien joué. Mettez cette pomme sur votre
une fin décevante. Une fin décevante sur un gros misplay. Les damnés se tiennent prêts. C'est dommage. Il a même... Le mec, il avait deux défaites, mais bon, ça va quoi. Ça va. Je reviendrai pas. J'ai pas de carte pour me faire revenir. Bon, bah, on va s'arrêter là. Hein. Presque 3 heures. On a tenu presque 3 heures. 5-3. Vu le départ, vraiment, c'est pas si mal. Et du road TGT, 120. Ouais, 120, je m'en sors bien. Hein. Je m'en sors bien. Alors, voyons voir. Ah, on peut pas être chanceux à chaque fois. Ah, l'aspirante. Ouais, je crois que j'en avais qu'une. Ah ouais, j'en avais qu'une. Par contre, je sais pas ce qu'on met à la place de ce qu'on enlève. Faudra que je regarde. Faut que j'enlève quelque chose, mais je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Il faut que je regarde la liste qui va bien. En tout cas, c'est intéressant. Bon, bah sur ce, je vous remercie. Je remercie les quelques youtubeurs qui ont pu regarder jusque là. Je pense que je vais vous la couper en deux, hein, si vous avez un peu de chance. Parce que ça fait un peu long à regarder. Mais je pense que ouais, il y avait des parties intéressantes. Voilà. Et même quelques combats intéressants. Oh là là, Miuna qui nous sort une légendaire. On va lui dire bravo. Hein. Bravo. Voilà. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne nuit, journée, après-midi, matinée, sur le moment où vous regardez ça. Mais en tout cas, pour moi, ce sera une bonne nuit. Allez, ciao, ciao.